Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un cours de renforcement musculaire global. Nous allons enchaîner des mouvements pour le haut et pour le bas du corps. Le matériel à prévoir, un manche à balai et deux bouteilles d'eau ou deux haltères si vous avez. Donc on va commencer par un petit échauffement et ensuite on va partir sur le cœur de la séance. D'abord un pas sur le côté. Allez, encore. Et on avance. Et retrouve. Encore, avance. Talons fesses sur place. Encore. 4, 3, 2 et les genoux sur place. Alors, on va engager les abdos. Et reste. Talons fesses. Encore. 4, 3, 2, genoux. Encore. Marchez. Inspire. Et relâchez. Encore. Et on reprend un pas sur le côté. Ne lâchez pas vos abdos, grandissez-vous, ouvrez les épaules et on reprend en avançant. 4. Et enfilez. Encore une fois. 4 pas. 3, 2, recule. Sur place, talons fesses comme tout à l'heure. Encore 4 fois. 4, 3, genoux internes. Encore 4. Dernière fois les talons. Il en reste 4. 4, 3 et genoux. Encore 4, 3 et restez sur place. On reste. Voilà. Un pas tranquille. Pensez à bien engager vos abdos, bien aspirer votre nombril, descendez vos omoplates. Encore 4. Et on va balancer une jambe sur l'autre, je fléchis au milieu. Encore. Et encore. Encore. Et le bras. Et un. Hop. Encore. Et en haut, vers le plafond, grandissez-vous. Encore. 4, 3, et on revient devant. 2, encore. 4, 3, et en haut. Et hop. Encore 4. Et que les jambes descendent un petit peu plus au milieu. Gardez ici bien engagé, dos droit. Encore. Hop. Encore. Et marchez. Inspirez. Relâchez. Inspirez. Et puis un petit coup si vous voulez. Donc on va commencer par des squats. Donc je vous rappelle la position, pied largeur bassin, genou légèrement souple, aspiration du nombril. J'ouvre les épaules, je garde le dos bien droit. Descendez en inspirant, soufflez en remontant. Vous allez là où vous pouvez évidemment. Allez, c'est parti. On y va. Et un. Descendez, poussez bien vos fesses vers l'arrière. Encore. Gardez devant. Ne fermez pas votre dos. Gardez le dos bien droit. Allez, encore. Hop. Hop. Encore. Comme ça, pour 4 fois. 4. 3. 2. Attention, on va descendre sur 3 temps. Remontez sur 1. 1. 2, 3, et remonte. Et 1. Poussez bien sur les talons quand vous remontez. Encore. Encore. Allez, encore 4 fois. Et je remonte. Je descends sur 3, 2, hop. Encore 2 fois. Dernière fois. Et reprends sur un temps. C'est parti. Et 1. Hop.
Regardez devant. Ne lâchez pas vos gâteaux, ne lâchez pas vos crampons. Allez, encore 8. Et encore 4. Et 4. 3. Alors, vous allez rester jambes fléchies. Et je me déplace. Et on va monter. Hop. Encore. Encore. Ne lâchez pas ici. Hop. Et encore. Allez, allez, on tient le coup, motivez, motivez. Dernière fois, je remets ici. Hop. Et relâchez. Allez, relâchez. Vous mettez un petit coup si vous voulez. On passe au haut du dos. Haut du corps, pardon. Vous allez prendre votre manche à balai. Vous allez vous placer, évidemment, buste bien droit. Abdos bien engagés, j'aspire bien mon nombril, gardez les jambes larges à bassin, les genoux souples. Dans cette position, vous allez ouvrir vos épaules, vous penchez légèrement. Et ramenez votre bâton vers le nombril. Allez. J'inspire et je souffle. Attention à ne pas monter vos épaules, gardez les omoplates vers le bas. Rapprochez vos omoplates. Allez, encore. Encore. Allez, encore, pour 4, pour 3, 2, hop, on reste dans cette position, je descends le long des cuisses, sur 3, 4, et je remonte, 4, 3, 2, attention, c'est un mouvement qui part des hanches, poussez le coccyx vers le plafond, encore deux fois, reviens, lâchez pas vos abdos, lâchez pas votre dos. Encore. Et on revient à l'exercice précédent direct. C'est parti. Vers le nombril. Attention, regardez un petit peu plus en oblique devant. Pas tirer sur la nuque. Allez, rapprochez vos omoplates. Il y en a encore 8. Allez, 1, 2. Et encore 4. Et 4. 3. 2. Et je reprends l'exercice précédent. Je place mon bâton le long des cuisses, je descends jusqu'au genou. Je m'arrête au genou et je remonte. 4, 3, 2. Poussez les fesses vers l'arrière. Poussez votre bassin. Ne lâchez pas vos abdos. Encore deux fois. Hop. Et dernière fois. Et remontez. Et relâchez. Reposez votre bâton. Et un petit coup, on va repartir sur un exercice pour le bas du corps. Donc, défente. On va démarrer. Deux possibilités pour les fentes. Je me place en fente. Et je descends tout simplement. D'accord ? Fente, deuxième option, un petit peu plus difficile. Je fente dynamique. Je descends et je pousse. Choisissez l'option qui vous convient. Inspirez, soufflez. Regardez devant, ne lâchez pas vos abdos. Allez, encore. Hop. Encore. 4. 3. Ok, restez ici. Je vais amener ma jambe sur le côté, ma jambe derrière. Côté, derrière. D'accord ? Engagez bien vos abdos, engagez bien vos fessiers. Fléchissez la jambe d'appui. Et on y va. Côté. Et derrière. Ne lâchez pas ici. Allez, encore. Vous le sentez, vous pouvez carrément ne plus poser la jambe au sol, le pied au sol, pour être en équilibre. Au choix. 4, 3, 2, et changez de jambe. Hop.
Ne lâchez pas vos abdos. Gardez la jambe d'appui fléchie. Allez. Allez, encore. 4. 3. 2. Et relâchez. Deuxième série de pauses. Donc, soit ici, pause. Je reste sur place. Regardez bien devant. Vous tapez encore comme ça pour équilibrer sur chaque jambe. Hop, changez. Sinon, là on va en faire 8. Vous pouvez reprendre comme tout à l'heure les phases dynamiques en alternant les deux mains. Encore 4. 3. 2. Et relâchez. Allez, relâchez, détendez un petit peu. Vous allez maintenant chercher vos bouteilles d'eau ou vos haltères pour repasser sous du corps. Donc vous allez, comme d'habitude, vous placer en aspirant bien votre nombril, les pieds largeur, bassin, les genoux souples. Je vais placer mes coudes, mes bras à 90 degrés. Je monte, je tourne, je serre, et je reviens. Je redescends, et je serre. Allez, c'est parti. Attention, pas monter vos épaules. Et je redescends. Repassez par chaque phase, grandissez-vous, ne relâchez pas vos abdos, surtout pas. Allez, encore. Ah bon, j'ai mis celui-là. Hop. Allez, encore. Rotation, je ferme, j'ouvre. Allez, encore. Pour 4 fois. Encore 3. Encore 2. Dernière fois. Ok, vous restez ici. Vous reculez vos coudes au maximum. Serrez bien les haltères. Soufflez et poussez derrière. Allez. Vos haltères, vous d'ailleurs, c'est pareil. Surtout, ne relâchez pas votre dos. Restez bien droit. Ouvrez vos épaules. Regardez loin devant. Ne lâchez pas les abdos. Allez, encore. On y prend. 1. 4. Et 4. On va repasser à l'exercice précédent. 2. Allez, replacez-vous ici. Monte. Ouvre. Allez, rotation. Attention, ne pas lâcher au niveau des abdos. Ouvrons le plateau, restez bien vers le bas. Allez, encore. Et relâchez. Deuxième exercice. Reculez bien vos coudes au départ. Vos coudes restent derrière. Soufflez quand vous tendez. Gardez vos coudes contre le buste. N'écartez pas les bras. Allez, il y en a encore pour 8 fois. Encore pour 4. Pour 3. 2. Et relâchez. Allez. Buvez un petit coup si vous voulez. On repasse un exercice pour le bas du corps. On va retravailler des squats, mais cette fois-ci en ouverture. Donc vous allez écarter évidemment un petit peu plus que la largeur de votre bassin. Et ensuite vous ouvrez les pointes de pied vers l'extérieur. Toujours en inspiration ici au niveau du des abdos, je descends, je pousse les fesses et je respire, je souffle en remontant. Hop. Allez. Poussez vraiment sur vos jambes quand vous remontez. Gardez les jambes vers l'extérieur. Inspirez, poussez bien sur vos jambes quand vous remontez. Allez, encore.
Alors, on va descendre sur 3 et remonter sur un, c'est maintenant. 1, 2, 3 et pousse. 1, 2, 3. Toujours en gardant les abdos bien serrés. 1, 2, 3. Hop, on reprend encore 4. Allez, 1, 2, 2, encore. Dernière fois. Et je reprends sur un temps. Allez, en dynamique. Toujours en gardant les genoux vers l'extérieur. Pensez à bien sentir pour repousser sur les cuisses et les fessiers quand vous remontez. Enfoncez bien les pieds dans le sol. Allez, il y en a encore 8. Et 1, 2, 3, encore 4, 4, 3, 2, et ramenez. Ramenez. Deuxième exercice un petit peu plus dynamique. Je respire. Alors attention à bien engager ici, bien engager vos fessiers. Descendez bien en squat à chaque fois. Orientez un petit peu la pointe du pied vers l'intérieur. Allez, ne lâchez pas ici, gardez les épaules ouvertes. Allez, encore 4. 4. 3. 2. Et marchez, relâchez. Levez un petit coup. Vous reprenez vos haltères ou vos bouteilles. Sinon, vous allez toujours bien sûr engager vos abdos, descendre vos omoplates et vous placez les pieds largeur bassin. Vous allez pousser un petit peu votre buste vers l'avant. Regardez un petit peu en oblique et on va juste monter les bras sur le côté en rapprochant les omoplates. Sans lâcher ici évidemment, sans lâcher les abdos. Allez. Encore. Allez, encore. Et hop. Restez bien. Juste bien placé. Encore 4. 3. 2. Redressez-vous. Relâchez un petit peu. Et biceps. Une fois en amplitude complète. Une fois en amplitude rotée. Ici. Et je m'arrête au milieu. Gardez bien les coudes serrés contre le buste. Allez, soufflez. Hop, encore. Allez, encore. Encore. Allez, je serre bien les haltères ou les bouteilles pour rajouter un petit travail de contraction sur les biceps. Encore. Ok. Relâchez, on se replace sur l'exercice précédent et on repart. Gardez en mémoire de bien rapprocher vos omoplates, ne lâchez pas vos abdos. Pas de dos rond. Allez, encore. Ça va ? Encore. Ok, on redressez-vous et on reprend sur les biceps. Amplitude complète et demi-amplitude. Allez, ne lâchez pas pour autant vos abdos. Hop, encore. Allez, encore. Bien. Allez, serrez, serrez, ça chauffe. Allez, on en fait 4 de plus. Hop. Et le dernier.
Allez, un petit dernier pour la route. Et relâchez. Relâchez. On repasse un petit peu sur le bas du corps. Donc, vous pouvez vous aider de votre bâton. Parce qu'en fait, il va y avoir un exercice un petit peu d'équilibre avec poussant le bâton comme vous voulez. D'accord ? Donc là aussi, vous allez continuer à bien vous grandir. La jambe d'appui légèrement souple. Je vais monter le genou, pardon la jambe, revenir, pousser derrière, talon fesse. Monter, hop, hop, reviens, talon fesse. Monte, tend, reviens, hop, talon fesse. Encore, hop. Allez. Alors, quand vous faites les talons fesses, gardez les deux genoux bien côte à côte. Encore. Grandissez-vous, ne lâchez pas ici. Allez. Et on reste ici, talons fesses. Gardez vos genoux bien côte à côte. Encore. Allez, il y en a encore 8. Encore. 4, 4, 3, 2. Ok, remontez ici, prenez le bâton, équilibre. Donc je descends bien les omoplates. Ramissez-vous. Ne lâchez pas ici. Ok, changez de pied, l'autre côté. Monte, tend, hop, reviens, talon fesse. Allez, on pense. Encore. Ne lâchez pas, grandissez-vous toujours. On reste ici, talon fesse. Alors. Allez, gardez bien vos genoux bien collés, encore. 5. Encore. 8. 2. Ok. Allez, et là, hop. Descendez vos omoplates, regardez loin devant et restez. Et rechanger de côté, on refait exactement la même série. Je monte, je tends, hop, je reviens, talon fesse. Montez, allez, hop, redescends, talon fesse. Allez. Allez, encore 4 fois pour celui-là. 4. Encore 3. Plus que 2. Dernier. Et talons fesses. Allez. Gardez vos genoux côte à côte. Ne lâchez pas ici. Ramissez-vous. Regardez loin devant. Encore. 2. 3. Encore 4. 4. 3. 2. 1. Équilibre. Allez, grandissez-vous, descendez vos omoplates, regardez loin devant, la jambe d'appui un petit peu souple et surtout ne relâchez pas ici. Hop. Allez, changez de côté, ici, hop, descend, talon. Grandissez-vous toujours, n'arrondissez pas le dos. Dernière fois. Et on reste en talon fesse. Attention, gardez votre jambe d'appui souple au niveau du genou. Les deux genoux sont bien côte à côte encore.
a encore 8. 2, 3, 4, encore 4. Et 4. 3, 2, ok, équilibre. Descendez vos épaules, regardez loin devant. Montez le genou. Ne lâchez pas ici. Descendez bien. Ok, relâchez. Buvez un petit coup si vous voulez. On va repasser sur un exercice haut du corps. Alors, vous allez reprendre vos haltères ou vos bouteilles. Et vous allez vraiment mettre vos paumes de main vers l'arrière. Toujours inspirer évidemment ici, les genoux souples et je vous allez vraiment ouvrir vos épaules. Regardez loin devant, je vais amener les bras derrière sans monter ici. On reste bien ici. Là aussi, toujours j'essaie de rapprocher mes omoplates, de bien serrer au niveau de mes haltères, de la prise de mes haltères ou de mes bouteilles. Allez, encore. Encore. Inspirez, soufflez. Ouvrez, poussez sur votre sternum. Ouvrez bien la cage thoracique. Ok, vous allez placer maintenant les coudes contre le buste et j'ouvre. Sans décoller les coudes. Les paumes de main sont face à face encore. Allez, encore. Allez, encore pour 8. Et 1. Et 2. 3. Encore 4 fois. 4, 3, 2, et vous repartez sur l'exercice précédent. Le jour 2, regardez loin devant. Encore, attention à ne pas crisper, restez bien épaules basses. Les genoux légèrement souples, encore. 8 fois. Bien, reste. Encore un petit peu. Plus que 4. Et 4. 3, 2, allez, on replace les coups contre le buste, ouvre, 2, serrez bien les haltères ou les bouteilles, ça rajoute une contraction, allez, encore, allez, encore pour 8 fois, 1, 2, encore 4, 4, 3, 2 et relâchez. On va travailler un petit peu maintenant sur la sangle abdominale. Donc vous allez placer vos bras ici, bien inspirés ici. Il suffit juste de monter les genoux en ayant un léger mouvement du buste vers l'avant. Allez. Soufflez quand vous montez. Alors ne vous pliez pas, hein, c'est pas ça. C'est juste. Jamais légèrement pour sentir que ici les côtes et le bassin sont rapprochés. Sans lâcher ici, surtout pas. Encore. Ok, relâchez, reprenez votre bâton. Placez-vous les pieds largeur bassin, fléchis. Vous allez bien assurer ici, bien laisser vos dos plates. Les bras tendus devant et je vais chercher sur mon côté. Attention, mon bassin ne bouge pas. C'est juste au niveau de la taille. Soufflez. Voilà, pensez à bien garder votre bassin face. Allez, toujours le même côté pour le moment. Encore. 4 fois. Et l'autre côté. Et 1, 2. Gardez vos jambes fléchies, ne tendez pas les jambes. Restez vraiment sur une assise confortable, c'est ce qui vous permettra de ne pas bouger votre bassin. Allez, encore. Suivez du regard. Encore. 4, 3, 2, et on reprend comme tout à l'heure. Vous pouvez garder le bâton ou garder, enlever le bâton et refaire comme tout à l'heure.
Allez, encore. 8 fois. Et relâchez. On se replace les pieds ici. Bras tendus. Et je vais sur le côté. Là aussi, le buste, le bassin, pardon, ne bouge pas. Hein. C'est juste au niveau de la taille. Gardez les épaules bien alignées, ne montez pas. Allez, c'est parti. Et un. Comme si quelqu'un vous tirait par la main, par le bras, sur le côté. Encore. Pour 4, 3, 2, et changez de côté. Et 1, 2, ne lâchez surtout pas ici. Encore. 5, 6, encore 8 de ce côté. Et 1, 2, 3, 4, encore. Et relâchez. Allez, relâchez. Buvez un petit coup si vous voulez. Et on va passer aux étirements. Donc, vous allez vous placer les pieds largeur bassin. Bien engagé ici au niveau de vos abdos, vous allez inspirer et souffler. Attention, on ne casse pas. Vous inspirez, vous grandissez, vous allez vers le plafond. Revenez. Inspirez. Et relâchez. Ramenez un bras ici. Attention, remontez votre épaule. Gardez bien vous des épaules alignées l'une à l'autre. Relâchez. L'autre côté. Vous allez venir croiser vos mains derrière le dos et vraiment ouvrir et pousser votre sternum vers l'avant. Regardez loin devant, ne lâchez pas. Ne lâchez pas l'engagement au niveau de vos abdos. Et relâchez. Ici, poussez le talon dans le sol. Les pieds sont dans le même sens. Regardez. Et rentrez bien. Poussez bien le talon de la jambe arrière dans le sol. Attention à ne pas ouvrir votre buste. Donc vous devez rester bien droit. Pas tordu. Vous pouvez vous appuyer sur la cuisse. Pas sur le genou, mais sur la cuisse. Voilà, et poussez bien le talon. Soufflez. Et changez de côté. Les pieds, c'est la largeur du bassin, donc pour la stabilité. Donc soufflez, poussez votre talon au maximum. Gardez devant. Gardez votre dos, vos abdos engagés. Très bien, repassez vers l'avant. Écartez les pieds. Quand même une largeur assez importante. Vous allez juste descendre sur un côté pour étirer les adducteurs. Là encore, ne lâchez pas ici au niveau de vos abdos. Revenez de l'autre côté. Venez doucement. Vous allez, vous pouvez vous appuyer pour le faire. Hein. Cherchez votre jambe ici. Donc, soit comme ça, vous pouvez aussi le faire avec une serviette hein, quand vous passez de la cheville. Gardez vos genoux côte à côte. L'autre côté, pareil. Et relâchez. À nouveau, vous allez inspirer, étirer, bien, bien vous étirer. Relâchez. Merci pour votre participation. On va se retrouver très bientôt chez Salvio. Donc, nous serons ravis de vous accueillir à nouveau.
Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.